J'inviterai à l'avant le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, M. David Hertel, pour le discours de la fin. Alors, bonjour. Alors, je vous encourage, petit mot d'encouragement, il reste 9 autres discours. Alors, on est à la mi-chemin. Alors, vous en faites pas. Alors, je tâcherai d'être bref. 3-4 heures max. Bon, écoutez, d'abord, je vais y aller. Mon discours va être un peu une structure différente. Et au lieu de saluer tous les dignitaires après l'autre, je vais plutôt vous dire justement le genre de partenariat qu'on fait avec toutes ces magnifiques organisations pour vous dire comment justement, et comme Montréal International nous le rappelait, depuis octobre dernier, le ministère de l'Immigration et un ministère à vocation économique. Et c'est important quand même, on a lancé quelques chiffres, mais si le Québec, nos municipalités, l'ensemble des citoyens et citoyennes du Québec, si nous voulons poursuivre notre développement économique, si on veut poursuivre le modèle québécois, la croissance économique du Québec au 21e siècle va nécessairement passer par l'immigration. L'immigration est une solution. L'immigration n'est pas un problème. Et l'immigration est une des solutions fondamentales, avec d'autres, pour s'assurer qu'au 21e siècle, on poursuive notre développement économique. D'ici les 10 prochaines années, c'est 1,3 million d'emplois qui devront être comblés au Québec. Ça, c'est le mariage de deux grands facteurs, la démographie québécoise et la croissance économique. On vit une période d'excellente croissance économique, des taux de chômage records à Québec, par exemple. Saint-Georges-de-Beauce, 2 %. On est à moins de 6 % en Abitibi. On n'a jamais vu ça en 50 ans. Alors, le maire Labombe parlait de 17 000 emplois comblés. Bien, à travers le Québec, c'est plus de 100 000 emplois qui sont disponibles aujourd'hui, dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Hier soir, dans des grandes villes du Québec, il y a des McDonald's qui ont fermé à 19 heures, faute de main-d'œuvre. Il y a des entreprises de haute technologie qui ont besoin de programmeurs, pas un ou deux. Une entreprise à Sherbrooke qui s'appelle ShareWeb qui a besoin de 300 programmeurs demain. Et je pourrais continuer dans tous les domaines. Alors, si on veut poursuivre notre développement économique, il faut revoir nos façons de faire en matière d'immigration. Et c'est pour ça, je commence avec le salon. Bravo, Jonathan. Bravo à toute ton équipe. Bravo à ce que vous avez fait et être un point central de justement d'avancer justement les pistes de solutions, favoriser le maillage entre tous les partenaires. Parce que j'ai entendu parler des municipalités, j'ai entendu parler des partenaires économiques, j'ai entendu parler de beaucoup de gens, mais il y a un autre pilier du développement de l'immigration à travers le Québec, ce sont les organismes communautaires. Parler des TCRI, mais j'en vois beaucoup ici dans la salle, il y en a beaucoup qui sont représentés ici, que ce soit en francisation, en intégration, c'est un pilier fondamental de la solution en immigration au Québec pour l'avenir. La Ville de Montréal, la mairesse Plante et le gouvernement du Québec ont annoncé il y a quelques semaines à peine un partenariat historique, 3 ans. On n'avait jamais fait ça avant. Un partenariat de 3 ans, le gouvernement du Québec, on met 12 millions de dollars, la Ville met 12 millions de dollars, 24 millions de dollars pour, évidemment, le BINAM, mais ce qu'il y a de fondamentalement différent dans ce partenariat, c'est que c'est la Ville, avec les arrondissements, qui vont développer des plans d'intégration de l'immigration adaptés aux réalités de chaque arrondissement, aux besoins de la Ville-Centre, et le ministère va être un accompagnateur. Donc, ce n'est pas un fonctionnaire à Québec qui va dicter à la Ville de Montréal comment faire son intégration. Ça va vraiment être un partenariat. Les plans vont émaner de la Ville de Montréal, vont émaner des arrondissements, parce que Saint-Michel, c'est différent de Montréal-Nord, puis Montréal-Nord, c'est différent de La Salle. C'est pas la même chose. Alors, on va vraiment avoir une approche intégrée et les fonds pour faire le développement. Québec.
À la bombe, il a raison. Québec, c'est un magnifique endroit. Ça va faire bientôt 5 ans que j'habite Québec à temps partiel, mais quand même de façon très intense. Et une chose est vraie. Au début, c'est, comme il disait, de l'extérieur, parfois, il y a certains éléments, et ça fait un peu miroir à ma relation que j'ai eue avec Régis. Au début, ça peut paraître difficile et froid. Mais quand on apprend à se connaître, oh, c'est extraordinaire, Québec. Et on développe une magnifique relation. N'est-ce pas, Régis? Régis espérait s'être débarrassé de moi quand j'ai quitté l'environnement. Mais là, il se retrouve avec moi. Mais veut pas. Ce que ça incarne, c'est que le ministère de l'Immigration du Québec travaille avec les municipalités. C'est pas seulement la Ville de Montréal. On a des programmes, bon, évidemment, mobilisation, diversité avec la Ville de Québec. Mais on parlait de Montréal international, Québec international aussi. Et il y a des organismes communautaires extraordinaires à Québec, comme le Centre Rire 2000, qui font un travail remarquable en matière d'intégration et d'accompagnement des populations immigrantes. Chambre de commerce. J'ai eu le plaisir, merci Michel de m'avoir invité. Tu parlais du fait qu'on t'a pris, Marie-Christine, pour le binôme. Je veux rappeler quand même que tu m'as pris, mon attaché de presse, pour faire tes communications. Et depuis 2 ans, je trouve que tes communications sont extraordinaires. Alors, mais ce que ça démontre, c'est que pour éviter ce cannibalisme de talent extraordinaire, ben, il faut l'immigration. Il faut aller les chercher, ces talents-là. Et c'est justement ce que ça illustre. Mais le travail d'interconnexion, c'est fondamental. Je vais ajouter un chiffre, moi, qui m'impressionne. Tu ne l'as pas mentionné, tu me permettras de mentionner. Mais quand même, 6 000 maintenant, 6 000 immigrants ont été placés dans plus de 1 000 entreprises grâce à Interconnexion. C'est énorme, ça. Ça, c'est un maillage direct. C'est exactement le genre de choses dont on a besoin, qu'on doit continuer à faire. Et c'est grâce à Michel, la vision, toute l'équipe de la Chambre de commerce de Montréal métropolitain. Ça, c'est un programme qui fait école. Et c'est pour ça qu'on a réinvesti. On est rendu, je crois, 13 millions de dollars en tout dans ce projet. On veut que ça fasse école ailleurs également. C'est pour ça qu'on veut notamment que l'expérience se développe dans d'autres régions du Québec. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'il faut développer. Montréal international, même chose. Vous avez parlé des étudiants, mais également des travailleurs. C'est de faire venir des travailleurs. Donc, non seulement les recruter, mais faire du mentorat, les accompagner. C'est très important au niveau de l'intégration. TCRI, partenaire essentiel, partenaire fondamental. Oui, ça prend plus que nous deux. Et c'est pour ça qu'on investit massivement dans la régionalisation. C'est pour ça que c'est important qu'on travaille maintenant tous ensemble avec toutes les régions du Québec, avec les municipalités du Québec, avec les organismes communautaires du Québec. Et c'est pour ça qu'on a investi, c'est pour ça que dorénavant, et on va annoncer ça dans les prochaines semaines et mois, le ministère des Migrations retourne dans les régions avec des bureaux dans plus d'une vingtaine de villes à travers le Québec, avec des agents pour accompagner les entreprises, pour accompagner les municipalités, pour accompagner les organismes communautaires, pour accompagner les immigrants et les immigrantes, pour s'assurer que tous nos programmes, toutes nos nouvelles mesures, c'est plus de 200 millions de dollars de mesures qui vont être mises en œuvre pour permettre justement aux régions de revenir à ce qu'a été le Québec. Et ça, faut pas oublier ça. Et je comprends qu'ici, on prêche à des convertis. Et là, oui, on a tous raconté à quel point nous sommes toutes et tous extraordinaires dans le domaine de l'immigration. Mais il y a quand même un défi que nous avons. Parce que la partie n'est pas gagnée. Il y a des gens qui parlent de réduire l'immigration au Québec. Il y a des gens qui parlent de faire passer des tests et peut-être même expulser des gens du Québec s'ils ne passent pas ces tests-là. Il y a des gens qui voient l'immigration comme un problème. Qui vont la ville de Québec unique par Québec international. J'entends. C'est Dieu. Dieu nous parle. Bon, alors, le fait est que nous devons aussi faire un travail tous ensemble de pédagogie. Il faut expliquer la nouvelle réalité québécoise. Il faut en parler. Le fait est que nous sommes en pénurie de main-d'œuvre. Ça fait 40, 50 ans qu'on n'a pas vu des pénuries de main-d'œuvre comme on voit maintenant. Et c'est une nouvelle réalité, mais comme je vous dis, on revient à notre histoire.
Parce que notre avenir, souvent, c'est aussi un peu une progression de où est-ce que nous sommes déjà passés. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis allé à Val-d'Or pour parler de pénurie de main-d'œuvre il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont parlé, qui sont venus me voir, qui m'ont dit « Allez donc visiter nos cimetières. » Et quand on visite les cimetières partout au Québec, d'ailleurs, pas juste en Abitibi, on voit que l'immigration a construit le Québec d'il y a 75, 100, 150 ans. Et là, c'est seulement depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans que, évidemment, parce que les régions s'essoufflaient économiquement, qu'on ne voyait pas l'immigration comme une nécessité, et donc ça s'est concentré à Montréal. Mais là, on revient à l'immigration comme une source. Mais là, il faut l'expliquer. Il faut expliquer c'est quoi la pénurie de main-d'œuvre. Il faut expliquer que c'est nécessaire à notre développement économique. Il faut expliquer que c'est possible d'intégrer, que c'est possible de franciser, que les ressources sont là. Mais ça, c'est notre travail à toutes et à tous ici, de quitter ce salon, retourner chez nous, et d'expliquer que l'immigration est une bonne chose pour le Québec, que l'immigration est une solution pour le Québec, que l'immigration a toujours fait partie de la solution pour le Québec. C'est la solution aujourd'hui et c'est la solution demain. Merci beaucoup. Merci.